Maman. Oh, Michel, tu as vu comme c'est mignon, ça? Je me demande à quoi ça peut bien servir. Enfin, maman, qu'est-ce que tu fais ici? T'as toujours détesté Belleville. T'as jamais voulu mettre les pieds, sauf pour accompagner le chat chez le vétérinaire. Eh ben oui, ben maintenant j'y habite et c'est pas mal. Ah, et puis j'ai découvert la cuisine chinoise. Tiens, je viens d'acheter un nem. Il est encore tout chaud. Tu le veux? Goûte-le. Enfin, maman, qu'est-ce que tu fais ici? T'es morte. Oh, ben évidemment que je suis morte. En douille. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais depuis 10 mois? Une croisière aux Caraïbes? J'en sais rien, moi. La dernière fois que je t'ai vu, c'était... Enfin, je m'attendais vraiment pas à te retrouver ici un mardi après-midi à Belleville. Eh ben moi non plus, je pensais pas que j'allais te rencontrer à Belleville un mardi après-midi. Et ton travail? Ben, j'ai pris ma demi-journée de repos. Je veux dire, il n'y a rien à faire au bureau. Je reclasse les deux. Eh ben dis donc, tu files un mauvais coton, toi. C'est pas comme ça que tu graviras les échelons de la vie. La vie? La vie, mais enfin, maman, c'est quand même pas à toi de parler de la vie, non? D'ailleurs, t'aurais pu nous prévenir que tu la refaisais ici, ta vie. Le téléphone, tu connais? Ouh là là, je vais être en retard à mon cours, moi. Faut que j'y aille. Attends. Ça fait quoi d'être morte? Oh là là, mais il n'y a pas de quoi en faire un plat, hein. Je te raconterai. Tiens, viens me voir demain soir. J'habite pas loin d'ici, 18 rue de la Villette. Je te ferai du thé et des cookies.